Bonjour tout le monde, bienvenue à ce spécial Body, Total Body. On fait un peu de tout aujourd'hui, un peu de cardio, un peu de renfo, les jambes, les bras, le dos, les abdos, les fessiers. Voilà, un Total Body. Allez, on commence de suite, on s'échauffe. Placez vos jambes un petit peu plus larges que le bassin, les orteils un petit peu ouvertes, grandissez votre colonne, serrez le ventre et petite flexion. Voilà, petit. On chauffe déjà les jambes. Voilà. Les bras devant et derrière. Restez vers le bas, tout petit. Tout petit. Allez, petit. Encore petit. Ventre serré, même si c'est l'échauffement. Allez, on reprend. Plus grand avec bras. Allez. Comme ça, on va chauffer le haut du corps en plus. Voilà, les bras en plus. Et les sourires toujours. Allez, ici, là. Alors, on pousse un tout petit peu la pointe. On a les genoux qui sont souples. Voilà, et les bras en plus. Allez, là-haut. Encore. Tournez un petit peu les épaules devant. Et en bas. Toujours pareil au niveau des jambes, toujours souple. Restez, restez. Replacez et décollez. Allez, poussez un tout petit peu le talon vers l'arrière. Encore, droite et gauche. Posez. 4, 3, 2, 1. Changez. 4, 3, 2, 1. Encore. Genoux souples au sol. 4 talons. 4, 3, 2, 1. Changez. Pour 4. Jambes fléchies. Encore. Revenez au centre, petite flexion. Petite flexion. Encore, encore. Plus petit. Plus petit. Grand, ventre serré. Encore, plus petit. Plus grand avec les bras. Allez, pour ceux qui peuvent, on décolle en plus les talons. Pour ceux qui peuvent. Hein. Toujours. Allez, relâchez. Marchez. Inspirez. Soufflez. Et bien, on est prêt à commencer ce spécial Total Body. Préparation pour un été parfait. Enroulé. Alors, pour la suite, deux bouteilles, des grandes, des petites, mais des remplies, d'accord? Si vous avez des haltères, prenez des haltères. Si vous n'avez pas de bouteille, prenez des paquets de pâtes, prenez un bouquin de chaque côté, le même, d'accord? Au niveau du poids, ça c'est important. Alors, on s'installe. Je lance le chrono quand même. On s'installe un petit peu plus large que les bassins au niveau des pieds. On ouvre un petit peu les pointes de pied. Les genoux vont aller en direction des pointes de pied, d'accord? On va faire des squats. Avec les bouteilles posées sur vos épaules, les coudes resserrés sur la largeur de vos épaules. Un squat. Et on pousse les bouteilles vers l'avant et vers le haut. D'accord? On pousse. Ici, on bascule les fessiers vers l'arrière pour venir s'asseoir. Allez, c'est parti. Soufflez. Inspirez. Bien sûr, on peut faire la même chose sans les bouteilles si c'est difficile, si vous avez des problèmes d'épaule. D'accord? Ça, c'est pas un souci. Descendez, soufflez. Au niveau du cintre, on engage, on serre. On serre du bas vers le haut, tirez de pantalon. Et soufflez, inspirez, soufflez. On repousse dans les talons, on est dans les talons, on n'est pas sur l'avant. On s'assoit, d'accord? On bascule, fesses vers l'arrière,
et en remontant, tirette bien serrée, poitrine bien ouverte. Et souffle vers le haut. Une minute de travail. 15 secondes, on va un peu récupérer. On va dire ça comme ça. Encore. Soufflez. Profitez. On relâche. Rapide. 15 secondes rapide. Gardez les bouteilles. Hein? On enchaînera après avec. Encore. Toujours. Rapide, 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 rapide. Allez, le plus vite possible pour vous. Ouvrez plus large. On descend en ouvrant et on referme. Ici. Donc là, on est les orteils ouvertes, les genoux en direction des pieds, des orteils. Les fessiers vers l'arrière. Montez pas trop haut. Vos mains, gardez-les juste en dessous de la ligne des épaules. Poussez dans les talons toujours. Et ne soyez pas ici, là. Hein? Large, genoux, cheville sur la même ligne. Toujours. À votre rythme. Voilà, c'est ça. Dos bien droit, poitrine ouverte. Omoplate bien resserrée derrière. Et serrée ici au niveau du ventre. Voilà, pour renforcer jusque dans le bas du dos. Pour renforcer vos abdos. Allez, encore. Courage, ça chauffe. Oui, je sais. Rapide. Allez, rapide. Rapide, 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 rapide. On va refaire le squat large avec les bras et on va ajouter une fente de chaque côté à chaque fois. Rapide. Plus vite. Ouais. Ouvrez. Ici, une fente. Ouvrez. De l'autre côté. Fente. Encore. Ici, épaule. Ici, biceps. Tournez bien ici pour être sur la pointe. D'accord? Le genou descend. Ici, on reste. Genou, cheville sur la même ligne. Continuez hein, chez vous. Hein. Biceps. Voilà, à votre rythme. Bien sûr, le cœur aussi monte et heureusement. Encore. Ne vous arrêtez pas. Voilà, les jambes, les cuisses fines, musclées. Voilà, bien dessinées. Votre ventre bien serré. Encore. Rapide. Rapide. Rapide, 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 rapide. Plus vite. Plus vite. Tu peux, hein? Accélère. Vas-y. Vas-y. Toujours. Posez bouteille. Droite et gauche. Le pied un petit peu en retrait. Ici, tu attrapes avec tes deux mains. Tu montes. Si c'est difficile, tu gardes le pied au sol. De l'autre côté. Tu descends en t'asseyant sur ta fesse. De l'autre côté. Voilà, à droite, à gauche. On ne change pas la jambe. On cherche à venir vers l'arrière ici. Hein. De l'autre côté. Est-ce que vous sentez dans votre cuisse, dans votre fesse, ce travail d'équilibre qui va venir renforcer les muscles au niveau de la cheville, au niveau du pied, au niveau de la jambe, au niveau de la fesse. Continuez, hein, vous n'arrêtez pas. On descend, on monte. On va solliciter en plus, grâce à la bouteille, les bras, les épaules, le dos. Rapide. Allez, vite. On va garder la même jambe pour la suite. Hein. Rapide, rapide, rapide. J'en profite pour faire mon lacet. Rapide. On replace la même jambe. Les deux bouteilles du même côté. Attraper, déplacer. Attraper, déplacer. On remonte. La même chose. Ici, côté. Côté. On remonte. On déplace. Ouais. On reste en bas. Et là, on remonte. Et là, ça fait un bien de dingue. Ouais. Repoussez. Bien sûr, si c'est dur, on pose juste les orteils. D'accord?
et on déplace. Ayez bien le poids du corps dans le talon. Voilà, ce travail qui va permettre aussi, hein, j'ai déjà dit, l'équilibre. On renforce et là vous sentez ça brûle à l'intérieur. Hein. Ouais, déplacez, remontez. Allez, rapide, vite, vite, toujours. Est-ce que vous avez mal là dans votre jambe, dans votre fesse? Oui, super, super. La même jambe, les deux de chaque côté. On attrape, on tend, pardon, je me mets là. On tend, on ramène. La troisième, descendez, posez et repartez. Tendez. Allez, un travail de dos en plus de ce travail de jambes. Descendez, posez, repartez. Pour 3. Ouh, on est bien là. Encore. Ouh. Si c'est difficile, tiens, j'en profite. Ici, hein. Ouais, là. Tac, tac. Si c'est difficile, vous faites les 3 ici tirages. Bras près des côtes. On serre les omoplates. D'accord? Ah bah c'est déjà fini, j'en ai bien profité pour m'en poser moi. Rapide, 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 plus vite. Vas-y, rapide, je te vois. Hein. On va refaire les 3 exercices pour fesses de l'autre côté. Ouais. Replacer. Une bouteille de chaque côté, on a changé la jambe. Attrapez. Poussez. N'hésitez pas à poser les pieds. Le pied arrière. Hein. Vous êtes lié, hein, c'est sûr. Allez, poussez dans votre talon. Soufflez en montant. Encore. Essayez de venir chercher là avec les deux mains. Pour solliciter vraiment à fond partout là. Voilà. Repoussez. Ah, c'est génial. Tac, on change. J'en perds les pédales. J'en perds mes bouteilles. On remonte, avec la bouteille on monte. Allez, de l'autre côté. On vient bien s'asseoir sur l'arrière encore. Hein. Encore, asseyez-vous sur l'arrière. Ouais, rapide, rapide. Est-ce que tu peux plus vite? Est-ce que tu peux? Ça fait monter le cœur, c'est ça qu'on travaille aussi, pour pouvoir éliminer davantage. Accélère. Les deux bouteilles du même... Allez, les deux bouteilles sur le même côté. On déplace. On déplace avec les deux mains. Et on repousse. Encore. On a repris la même jambe. Hein. On avait fait, vous vous souvenez, 3 fois avec une jambe. Et là, les 3 exercices suivants avec l'autre. Repoussez. Je vais continuer. Hein. On vient bien sur l'arrière. S'asseoir. Pour solliciter ici dans la fesse. D'accord ? Et on déplace, droite, gauche. Et plus vous allez prendre le temps pour le faire, plus ce sera bon pour vous, bon pour votre fessier. Ouais, ouais, hein, vous avez compris ce que je voulais dire. Hein. Allez, déplacez, droite. Hop, on repousse. Et on vient s'asseoir. Voilà, on est dans l'équilibre. Voilà, si on perd l'équilibre, c'est pas grave. On renforce. Côté. Côté, repousse. Allez, rapide, rapide, à fond. Le plus vite possible. Voilà, une bouteille de chaque côté. On descend, on récupère et tirage d'eau. Allez, amenez les coudes vers l'arrière. 3 fois. Posez les bouteilles en fléchissant votre jambe. Vous repoussez. Tirage 3. 3. 2, 1, descend. Allez, repousse pour 3, 2, 1, et descend. Encore. Tu vas à ton rythme, d'accord? Si tu as besoin de poser ta jambe parce que c'est trop difficile, pose-la. Par contre,
mets-toi quand même en difficulté, prends pas l'option facile, alors que tu pourrais faire. D'accord ? Et je sais que tu peux faire. Allez, encore, courage. Flexion et tirage dos. Posé. Rapide. Rapide. On va s'installer après au sol, alors on peut tout donner. Rapide. Ouais, encore. Encore, encore. Ouais. Allez, assis-toi. Une bouteille de chaque côté ici. Travaille pour tes abdos. Les deux jambes au milieu. Tu ouvres. Tu fermes. Pose tes mains si c'est difficile. D'accord? Je m'installe de profil. Mes deux bouteilles de chaque côté. Mes deux jambes à l'intérieur. J'enroule mon bas du dos ici. Je grandis ma colonne. Je serre mon ventre. Ouvre. Passe à chaque fois, t'as vu, par-dessus. Garde les mains ici, c'est facile. Enlève les mains. On est bien. Voilà, on commence à solliciter ici. Laissez pas votre ventre gonfler. Voilà, on retient le ventre, on l'aplatit. Ici, on allonge la colonne. On place ici juste un point. On n'est pas enroulé. Encore. Allez, à chaque fois, effleurez le sol avec vos talons. Si c'est dur, on pose les mains et on pose les talons à chaque fois. Petite pause. Les bouteilles, toujours pareil. Je montre ici, comme ça, vous verrez mieux. On va aller de droite à gauche. D'accord? Et bien, c'est parti. Voilà, toujours l'enroulé. Au niveau du bas du dos. La tirette bien serrée. Avec les mains posées en option plus facile. Mais en option sans les bras, c'est plus la même. Ah, posez si vous voulez. Encore. Allez à chaque fois tout près du sol et passez bien par-dessus. Voilà. Une jolie tablette de chocolat au niveau de votre ventre. Un joli ventre. Voilà, dessiné. Juste avant, on a éliminé le gras. Maintenant, on va travailler pour dessiner ce ventre. Voilà. Oui. Encore. Courage. Les dernières. Ou pas. Là, le ventre. On sent aussi dans les cuisses, là, les fléchisseurs de hanches. Ouais. Petite pause. Où on va récupérer les bouteilles. On est toujours dans les abdos, d'accord? Posez vos talons, genoux fléchis. Enroulez votre bas du dos. Bouteille devant vous. Descendez. Et remontez. Et soufflez. Inspirez. Enroulez. Serrez le ventre. Encore, encore, encore. On peut faire des petits, hein. D'accord? Petit là. Si on a mal aux épaules, si c'est trop difficile. D'accord? On enroule, plus on descend, mais plus il faut remonter. D'accord? Donc plus c'est dur. Voilà, on cumule les abdos, le dos, les bras. Voilà, soufflez. Inspirez. Profitez. Contrôlez votre descente. Cherchez à enrouler le bas du dos et à serrer le ventre. À allonger votre colonne. Allez, toujours, toujours. Voilà, petite pause enroulée ici. Sur le même principe, mais cette fois, on va aller jouer à droite et à gauche. Vous avez bien vu, j'ai dit jouer, pas travailler. Hein. C'est que du plaisir. Les deux bouteilles, on enroule et on vient côté. On remonte, côté. Ce ne sont pas les bouteilles qui tournent, d'accord? Ce sont vos épaules. Sentez la différence en tournant les épaules, ce qui se passe au niveau de votre taille. Là, vous voyez sur les muscles sur le côté. Ça va venir solliciter davantage les obliques. On peut faire juste ça. Mais on peut faire ça. Pour amener un travail supplémentaire dans vos épaules. Allez, on y est. Encore. On terminera par du gainage après.
ce qui va permettre de renforcer l'ensemble du corps. Un gainage avec les bouteilles. Donc ça, c'est un peu ludique, ça change. Si vous avez mal ici, là, c'est normal, d'accord? Dans les fléchisseurs de hanche, on le sent. Allez, c'est la pause. Je vous montre pendant les 15 secondes de pause. Facile sur les genoux, difficile sur les pieds. Bouteille devant vous. Vous amenez une fois la bouteille sur le côté et ensuite c'est l'autre. Allez-y, venez, venez. Attrapez et ramenez devant. Ventre bien serré. Et on enchaîne. Côté, on replace. Côté, on remène. Ça, c'est l'option facile ici, hein, sur les genoux. On a le bassin serré, si c'est facile pour vous. Venez vous installer ici sur les pieds. Plus vous serrez, plus c'est difficile à stabiliser. Si on ouvre, on équilibre. Hop, à droite, à gauche. Essayez de stabiliser le bassin. Serrez le ventre, cherchez à amener votre nombril vers vos lombaires. Voilà, vers le dos, là. D'accord ? Ça veut dire qu'on aplatit ce ventre. Allez, droite, gauche. On ramène. On renforce les épaules, les bras, les triceps. Hein. Le dos. Le ventre. Les fessiers. Allez, c'est la pause. Ouh. Je vais me mettre dans l'autre sens pour juste vous montrer. On a les deux bouteilles pour le suivant. On va venir chercher les bouteilles sur la gauche avec la main droite et les déplacer. Posez la main droite et prenez à gauche. Ok? On déplace. On peut être bien sûr sur l'option plus facile, sur les genoux. D'accord? Ici, ça ne travaille pas grand-chose. Hein. Alignez bien genoux, bassin, épaules, ventre bien serré, d'accord? Et on déplace. En option facile, sur les genoux. Voilà. On y est. On déplace. Yes. Placez-vous, hein, si vous sentez que c'est vraiment facile. Ici, mettez-vous quand même en difficulté. Essayez de ne pas basculer ici. Hein. Ouais. Côté. Côté. Vous aimez le gainage, la planche, c'est la pause. 15 secondes. Allez, on termine par toujours du gainage. Bouteille de ici. On pousse, on ramène. Trois de chaque côté. D'accord? Posez de l'autre côté. Je me décale un peu. On tend. Tirage. Tirage. Et on pose. De l'autre côté. Essayez de ne pas basculer vers l'écran. Essayez de garder les hanches face au tapis. Ok? Allez, devant. Ouais, comme ça on mobilise vraiment un ensemble hein, de votre corps. Épaules, dos, ventre. Ne relâchez surtout pas. Hein. Souriez, c'est presque fini. Ok, ok. On y est. On y est. Sentez là. Le ventre. Ouais, les bras, je sais. Relâchez. On étire. On s'enroule ici. Poussez un petit peu vos bouteilles. Les bras loin devant. On relâche. Inspirez, soufflez. Soulevez votre colonne. Placez-vous à quatre pattes. Soufflez, enroulez. Inspirez, revenez. Soufflez. Inspirez. Votre main droite, vous la glissez sous votre bras gauche et vous venez poser votre épaule. Voilà. Et on change. Repoussez. Glissez en dessous. Et revenez. Restez à quatre pattes, mais avancez les bras bien plus loin et venez écraser le buste vers le sol.
Voilà, on relâche bien le haut du corps. Pour repousser, venez vous asseoir. Tendez votre jambe droite, placez votre jambe gauche par-dessus, attrapez votre genou et ramenez-le pour étirer les fessiers. Vous avez vu, sur ce total body, on n'a pas fait de fessiers pur et simple au sol. On les a fait debout. Ça change. Hein? Changez de côté. Voilà. Essayez de rester grand. Essayez de ramener le genou. Sentez ici, là, dans la fesse. Allez, relâchez. Les deux jambes tendues. Tirez les pointes de pied vers vous. Et enroulez. Ouais, on relâche le dos. On relâche, vous sentez derrière. Hein. Tirez bien les pointes de pied. Ça permet de stretcher aussi au niveau des mollets. Allez, déroulez votre colonne. Enroulez vos épaules. Abaissez les épaules, grandissez. Et soufflez, inclinez. Vous pouvez poser la main ici. Cherchez à vous grandir en gardant fesses, genoux bien dans le sol. Revenez, grandissez. Et stretchez, ouvrez. Revenez. Merci, à très vite.